Oui, la cuisine pour moi, ça fait partie, c'est ma vie avant toute chose. Bien sûr, la cuisine est le reflet de ce qu'on est avant toute chose. Je pense que c'est un mode d'expression pour moi et c'est un mode d'expression pour beaucoup de monde. Il symbolise l'univers dans lequel on vit, sa personnalité, son caractère, son identité, sa localité aussi. Je pense que c'est très important. L'inspiration, elle est pas concrète, elle est de l'ordre de l'éphémère, d'un élément, d'une perception des choses. Elle peut se manifester au travers d'un marché, d'un produit, d'une saveur, d'un souvenir, une réflexion, une histoire de cuisine aussi par rapport à d'autres grands chefs, à d'autres histoires. Voilà. C'est plein d'éléments, c'est la vie, ni plus ni moins. Bah, les produits qu'on retrouve à l'état naturel sont toujours aussi intéressants parce qu'ils symbolisent quelque chose. Après, on les sort de leur contexte, ils ont une saveur particulière, portent une complémentarité dans les assiettes, donc c'est important aussi de la retrouver. Ça permet aussi de situer une région par rapport à son caractère, sa personnalité. Moi, je suis situé en montagne, donc on a beaucoup de nature autour de nous, qui est très florissante en été, qui est un peu plus austère en hiver, donc c'est important aussi de pouvoir jouer avec ces deux univers qui sont très différents et qui se matérialisent par le biais de la cuisine. On va déposer. Bon, on va prendre l'exemple de la cuisine vietnamienne avec autant de saveurs, autant de punch, je dirais, parce que ce côté un peu piquant, herbacé, très frais, très direct, que j'aime beaucoup dans la cuisine, que j'aime aussi. Mais pour le moment, j'ai ma cuisine, je profite d'être saisonnier aussi, c'est-à-dire que pendant que le restaurant est fermé, je peux faire ça. Et quand le restaurant est ouvert, par contre, je suis à 100% dans mon établissement, à gérer tout ce qu'il y a à gérer. Et là, ça me laisse quand même du temps pour faire à voyager, à découvrir, à partager. Donc, c'est rare des métiers qui vous amènent à travers la planète, pour faire découvrir ce que vous savez faire. Aller dans de multiples endroits aussi divers et variés comme ça. Bah, je dirais plus, nous on a des cuisines où les saveurs sont beaucoup plus riches dans le sens marqué, imprégné du produit. Ici on est plus dans des saveurs avec beaucoup de fraîcheur, ponctualité avec la nervosité, le piquant, l'assaisonnement qui vient. Et après les saveurs, nous c'est quelque chose d'assez punchy, je dirais, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Après nous on est plus dans la culture d'un produit, les identités de sauce sont très différentes en France, on a beaucoup de concentration, des choses à base de beurre, de crème qui font pas partie de votre culture mais de la nôtre. Donc voilà, c'est une vraie diversité, plus de bouillon. Et j'aime beaucoup les deux. Donc, c'est vrai que les gens me disent des fois qu'il y a une petite sensibilité asiatique dans ma cuisine et ça me fait plaisir parce que je trouve que ça amène de la légèreté, de la fraîcheur aussi à travers le repas. C'est quoi couper une place? C'est les mêmes. Mais elle mange le menu. Un chef, il doit savoir communiquer, il doit savoir parler, il doit avoir une interaction. Hier soir, j'ai discuté avec des clients. C'est la planète entière, c'est des gens de tout horizon, de très haute classe sociale. Donc, il faut savoir se parler, il faut savoir s'exprimer. Ça passe 5 couverts, les gars, 5 menus. C'est bon, Vegetables? Tu gagnes le 5. C'est qui, honneur? Ah, c'est le Big Boss? Un Big Boss? Donc, I make 6, and after I make 7. OK?
Bah, c'est un métier qui est fait de challenge et de sacrifice. On obtient rien sans rien dans la vie. Et c'est vrai que c'est un métier qui est dur, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. La vie de famille passe souvent après le travail et c'est toujours compliqué de pouvoir unir les deux. Donc voilà. Les récompenses sont là aussi pour ponctuer une évolution. Je fais toujours le parallèle avec un sportif de haut niveau qui se remet en question, qui va chercher l'excellence. On essaye de faire toujours mieux ce qu'on fait au quotidien. Les réflexions nous touchent énormément. On a beaucoup de mal avec ça en général en cuisine. On a toujours envie de faire plaisir aux autres. Et c'est cette quête de l'excellence qui est un moteur et qui est un leitmotiv aussi dans notre vie de cuisinier.